Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a la chance d'avoir avec nous Jutech, méga DJ pour moi en tout cas depuis à peu près 2 ans maintenant. Parce que j'ai fait la connaissance ici en venant à Meillan. Exactement, ouais, c'est Meillan sur Garonne, ouais. Ouais, c'est ça. Alors moi pour commencer, j'ai juste envie de dire que ce mec là c'est un malade. Sa musique c'est de la bombe. Ça donne plus de peps que les boissons énergisantes, tu vois. Si tu le dis. Pour ma part, je suis totalement tombé in love de ta zig, de ce rythme transcendantal qui me fait voyager, de cette belle vague de bonheur que tu transmets, de cette énergie positive que tu amènes dans ce monde. Parce que je trouve qu'en fait c'est vraiment important aussi pour moi en tout cas de mettre en avant comme on fait aujourd'hui. C'est ce que j'aime le plus quoi, c'est faire voyager les gens, ressentir comment se passe l'ambiance. Et oui, parce que tu fais tout du coup comme ça en live. Ouais, j'ai pas de programme, rien, c'est de l'impro quoi. Je tâte le terrain un peu comme on peut dire, tu vois, j'essaye de voir comment se passe l'ambiance et après je m'adapte quoi. Mmh. J'invite quiconque en fait à venir s'abonner à nos réseaux sociaux, mais surtout aux siens si vous voulez continuer à surfer sur la même vague d'amour et de musique comme on fait aujourd'hui quoi. Donc on va commencer par quelques questions si tu veux bien. Ouais. Comment t'appelles-tu en réalité? Est-ce que c'est ton vrai nom, Jutech? Non, je m'appelle Cyril. Quel âge as-tu? 44 ans. Ah, le mec ne les fait pas du tout. Je sais pas si on voit bien avec la gueule, ouais, mais c'est un visage. Je l'ai. D'où viens-tu? Alors, je suis né à Tonnens. Ouais. Et j'habite à côté de Marmande. D'accord, d'où l'accent. Et d'où l'accent. Du coin. C'est ça. Situation familiale? Eh bien, je suis en couple depuis 18 ans et j'ai une petite fille, Lola, 13 ans, qui a eu il y a 15 jours. Depuis quand tu mixes du son? Alors, j'ai acheté mes premières platines en 96, si je me souviens bien, platines vinyle, parce qu'à l'époque, on jouait que sur ça, quoi. On plaçait avec nos bagues et nos disques. Le petit craquement, des fois, qu'on entend, ça a tout son charme, tu vois, je trouve. Et j'ai joué pendant quelques années sur vinyle. Donc j'ai tout gardé chez moi, si tu veux. Hein. Tu dois avoir des bacs. J'en ai partout. D'ailleurs, je vais aller chercher chez mon père parce qu'il gueule. J'ai encore des caisses au grenier. J'ai plus de place au studio. Tu as mis la famille dans le. Voilà, je me suis fait un petit studio à part le jour où j'ai fait ma maison pour pouvoir travailler. Le même studio qu'on voit sur les réseaux. Exactement. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Bien aménagé d'ailleurs. Putain, là, tu m'as pris une colle, quoi. Je sais pas. Mon premier vinyle. J'avais. T'as débuté 96, est-ce que c'était avant, après, juste. Ouais, j'avais. Attends, faut que je me souvienne, c'était quoi le premier vinyle que j'ai acheté? Qu'on m'a donné, même, je crois. Ça commence comme ça, quelqu'un qui. Oui, j'avais 12-13 ans, quoi. Après, ah ouais, 12-13 ans. Ouais, mais c'est vraiment une vocation qui t'a donné. C'était sur la platine de ma tante, quoi. Voilà, elle m'avait acheté un vinyle et c'était parti de là. Par la foudre. Je sais pas si c'était ça ou plutôt Goldorak, quoi, tu vois. Gueule de braque. Ouais, c'est ça. Où est-ce que tu as fait ta première session mixage pour les potes? Alors, les premières sessions, c'était dans ma chambre, chez mon vieux. Ouais. Ça a commencé là et après, on a commencé à faire des petites soirées entre nous, dans les garages, chez les copains, à droite et à gauche. Ah, on était entre nous, 10, 15, 20. C'était comme ça. On et était à contents. Finir là comme des journées d'aujourd'hui, magnifique journée d'ailleurs. Je sais pas combien on va être, mais ça va donner quand Ce soir il va y avoir du monde. Ouais. Aujourd'hui il va y avoir du monde. Et oui, ça a pris de l'ampleur. Tu fais plus la nuit ou le jour d'ailleurs? C'est une bonne question. Bon, l'été plus le jour quoi. Ouais. L'hiver plus la nuit, les clubs. Il va y avoir du monde. Puis ça a pris de l'ampleur ce truc quoi. Ouais, les on a commencé ça fait 5 ans. Au début on était une trentaine et tout. Et la rien que celle qu'on a fait au mois de juillet, c'était énormément. Et puis les gens attendent de ça, je pense, après ce putain de confinement. Ouais, c'est clair, on a besoin de se lâcher. On a besoin de se lâcher et puis ça prend de l'ampleur, je trouve, et puis c'est cool, quoi. Ah oui, vraiment, bah ouais, c'est un dimanche en plus. Ouais, voilà, les gens sont posés, on n'est pas là en mode samedi soir, on va boire, etc. Non. En plein jour, c'est vrai que c'est responsabilisé. C'est bien convivial et c'est bien festif aussi. Puis ils attendent ça, je pense, depuis un moment. Ouais. Donc on va leur donner ce qu'ils veulent. Exact. Et je compte sur toi là-dessus, de toute façon, je n'ai même pas de doute. Est-ce que c'est ton travail, ton taf principal? Non. Non. Non, 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 je bosse à côté pour l'instant. Je suis magasinier. D'accord. Je bosse au Mazda Genève. C'est plus un plaisir. Ouais. C'est ma passion, quoi. Mmh. Depuis toujours. Et ça serait beau que ça se transforme pour toi en un truc professionnel, là. Je pense que l'âge où j'ai maintenant, ça va... Non, moi je pense pas que là je vais y faire quoi que ce soit. Les jeunes arrivent. Regarde David Guetta. Oui, non, mais je ne suis pas là. Après, c'est des gens qui font de la production quand même. Et qui moi, c'est pas mon cas. Mais j'espère durer longtemps comme ça, même à 55 ans, venir toujours aux huîtres ou dans les festivals qu'on m'appelle encore. Quoi. Je savoure, tu vois, je profite. Je me dis, c'est peut-être la dernière fois. Mais fait alors comme que si pour l'instant, la dernière c'est pas à chaque le cas. Fois, ouais. Donc, ouais, non, c'est cool. Alors, comment est-ce que tu appellerais le style que tu as à toi, perso? Alors, mon style. Après, je joue c'est un peu de tout. Techno, quoi. Je joue un peu de tout. Je vais jouer de la house, de la progressive house, de la deep house.
de la tech house, de la techno, mais sur tout ça, ça reste quand même dans le groove, quoi. Ouais. Faut que ça soit. C'est ce que j'ai remarqué. Voilà. J'ai remarqué. Quand même qu'il y ait toujours ce petit côté un peu festif. Ouais. Et que ça galope. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça galope. Tu vois. Style là, je vais arriver, je vais jouer. C'est classe. Je vais jouer cool. C'est-à-dire, moi, j'appelle cool de tout ce qui est house, deep house, un peu tech house, un peu ambiance. Ouais. Et puis après, c'est sûr que pour les énerver, quand ils arrivent, il faut que ça tape un peu plus. Ah oui, il y en a. Ouais. Donc, on va partir sur de la techno. Mais ça reste quand même mélodique, avec des nappes assez. Comment te dire, qui te transporte, quoi, tu vois, qui te font voyager. Transcendant. Ouais, et en repartant, quand même, toujours le groove. Voilà. Moi, ça a été toujours mon truc, faut que ça galope. Faut que ça galope. C'est ça qui est bon. Voilà, c'est ça qui est bon, comme tu dis. Ouais. Combien de tracks est-ce que tu passes là dans un événement? Je sais pas. J'arrive, quand c'est des sessions comme ça, de 6h à 7h, voire 8h, déjà, j'arrive avec 300-400 tracks. Mais je vais pas jouer 300-400 tracks. Ouais. Mais après, pour te dire exactement combien j'en joue, Le move, voilà. Je vais pas faire un style, une sélection, mettons, de 30 tracks, disons, et faire 1, 2, 3, 4, 5, même s'il n'y a pas ce qui va correspondre avec devant, quoi. Tu vois. Est-ce que tu as des inspirations? Ouais, j'ai toujours aimé Carl Cox, moi, tu vois. Carl Cox. Ouais, Carl Cox. Okay. 3 ou 4-5 fois, quand j'étais jeune, au début, ouais, c'est ce qui m'a inspiré un peu, ouais, tu vois, d'acheter mes premières platines. Ouais. Je me suis saigné d'ailleurs pour voir, mais je te jure, c'était. T'as pas de cicatrice. Non, pas encore. Mais ouais, voilà, ça a été. Ouais, c'est parti de ça. Puis la musique électronique. Et puis après, j'ai commencé à faire pas mal de soirées en allant voir ces artistes-là, quoi. Mm-hmm. Que ce soit du Jeff Miles de notre époque, Carl Cox. Tu vois, j'écoutais du Jean-Michel Jarre à l'époque. Oui, ouais. Ma tante avait du Jean-Michel Jarre à la maison, donc je me foutais du Jean-Michel Jarre. Ben ouais, pareil, chez moi. Enfin, c'est parti de là. J'ai toujours aimé ces trucs de synthé. Ouais, voilà. Est-ce que tu t'es déjà coincé les doigts dans ta machine ou une chemise ou je sais pas pour être dans galère? Non, jamais, mais ça m'est arrivé qu'on me renverse un verre sur une platine une fois. Oh, et j'ai dû gérer ça, c'était pas la mienne. Ouais. Un verre de jet, quoi. Oh putain, ça colle. Sur le pitch. Donc ça marchait, puis ça marchait plus. Quoi. C'est un peu chiant quand même de voir les gens qui montent sur scène sans des fois, demander. Des fois, ouais. Ça. Parce que bon, tu peux le faire sur quelqu'un que tu connais et qui va être sage, mais. Même après, des fois, les gens que tu connais faire. Font pas attention, une fois qu'ils sont un peu allumés. Ouais. Non, ça, des fois, c'est horrible, quoi. Mm. Et une fois, carrément, mon setup, tout doit renverser presque. Oh. Dans un after à Bordeaux. Le mec, il poussait ou quoi? Non, le mec est carrément monté, c'était une sorte de. Cabine, mais sur très tôt, et le mec est carrément monté, a levé la main, a tourné la main, il a parti à la renverse, il a mis le truc et tout le meuble s'est carrément avancé. J'ai eu juste le temps de reprendre tout, ça a sauté, je me suis fait huer. Bon, lui par contre, il a pas touché par terre, il est sorti dehors, hein, la sécurité direct, l'a sorti. Bah ouais, non, mais ouais, faut pas faire ça. Quoi. Des fois ça arrive, mais bon. Après, les gens sont tellement contents aussi. C'est un milieu où, quand même, où c'est pas un milieu où il y a de la bagarre, où il y a. Ouais. On n'est pas les gens c'est très vraiment rare que les gens aient l'alcool mauvais dans ce milieu là, quoi. Ouais. Même la musique se prête pas à être trop bourrin plus. Ouais. Voilà. Donc on a quelques questions qui ont été posées par le biais des réseaux sociaux. D'accord. Donc on a une question d'Emeline qui nous demande quel a été ton meilleur spot et quel sera le prochain. Alors mon meilleur spot, après j'en ai trois, mais le meilleur c'est Festival Garo Rock. Ouais. Ah ouais, bah là il y a du monde. Là c'est. Ah ouais. C'est énorme, c'est vraiment. Plus à Marmande d'ailleurs, plus à la si maison. Vous voulez aller le voir, il repasse certainement. Voilà, c'est ma cinquième fois que je le fais. Ce qui m'a permis après de voyager, de partir en Espagne, où j'ai fait un super spot aussi, c'est la Rage Dengue. Rage Dengue. Voilà, c'est la boîte mythique de l'ancien propriétaire Salvador Dalí. Ok, voilà. Ah ouais. Ça a été énorme, ça a été. Ça doit être quelque chose. Ouais, c'était. Ouais. Puis l'Espagne, c'est. Festif. Ça dort jamais. Direct, ça dort jamais. Et après le Maroc à Casablanca, au Biroc, le petit Olympia marocain. T'as voyagé en plus. Ouais, j'aime bien voyager. Tu sais ce que dit un DJ quand il rentre dans une fromagerie? Non. Faites du bruit. Ah, on a Quentin qui nous a demandé aussi quel était ton set le plus connu. Techno Queen. Ah ouais, pour ma part, c'est le set de Techno Cat. Ouais. Ah, je Techno kiffe Queen, à Techno partir Queen, de 30 minutes, les gars. Le plus qui a fait le buzz, ouais, c'est Techno Queen. Ouais. Ok. Et on peut écouter tout ça sur quoi? Sur SoundCloud. SoundCloud uniquement? Ouais, sur SoundCloud. Ok. Et c'est gratuit. Ouais, Flavie aussi qui nous a posé une question. Est-ce que tu as des futurs investissements en tête? Au studio, j'ai pratiquement tout ce qu'il me faut. Peut-être une question de basse ou un casque, parce que mon casque commence à être malade, là. Il y a de la route un peu. Ouais. Mais après, ouais, non, j'ai tout ce qu'il faut au studio, quoi. Vanessa nous demandait quelle scène tu voudrais faire si tu pouvais, là.
tu vas n'importe où dans le monde, laquelle tu voudrais faire? Le Monegro. Monegro. Ouais. C'est où? Festival dans le désert en Espagne. Désert en Espagne. Ouais. Mais bon. C'est haut placé ou quoi c'est... Ouais, c'est vraiment... Okay. Tu connais pas Monegro? UP? Non, du tout. C'est immense, quoi. Ils l'ont fait il y a quoi? Il y a un mois de ça. Donc là, la dernière question internaute, c'est moi. Est-ce que ta famille te suit dans tes déplacements? Est-ce qu'ils te soutiennent? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, ça m'arrive. Ça m'arrive. Lola est venue me voir au Garo Rock avec ma femme. On était partis au Maroc. J'avais amené aussi ma femme au Maroc. Ça m'arrive qu'ils viennent me voir, ouais, de temps en temps. Puis après ma femme, quoi. Ma femme qui me pousse, qui m'a toujours poussé. Ouais. Parce que des fois, c'est pas évident. Ah ben, des fois, moi, justement, tu vois, je me disais, en fait, est-ce que elle va t'aider ou quoi? Est-ce que ça peut être prise de tête aussi? Parce non. que c'est des dépenses, ça doit être bien de musique ou à monter ton casque tout le temps. Non, non, c'est vraiment, elle m'a toujours soutenu, toujours poussé. Mmh, c'est beau, j'ai ça. Une femme en or, je le dis, et je le cache, 18 ans de commune, c'est pas rien. Ouais. Et ouais, heureusement que je l'ai, parce que ça doit pas être facile pour elle aussi. Tu sais, il y a des fois, pendant un mois, un week-end sur deux, je suis pas à la maison. Ouais, quoi. Voilà, ouais. Donc, des fois, ses copines, elles sont, mais comment tu fais? Après, c'est des prestations, c'est ma passion. Voilà, il y en a, donc, ça va être le tiercé, il y en a, ça va être les vrai. Bars, il y en a, ça va être... Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très fort pour moi, quoi. Ouais. Et heureusement que je l'ai, quoi. Voilà, ça, c'est sûr. C'est beau. Ouais. C'est beau, franchement, t'as de la chance. Petite lagounette. Que fait un DJ sur la glace? Patine. Il platine. Oh putain, j'étais presque. J'étais presque. Questionnaire rapide pour notre ami Jutek. Faut que tu répondes au tac au tac. Oh putain. Es-tu heureux? Très heureux. Aimes-tu les gens? J'adore. Slip ou caleçon? String en peau de top. Radis rose ou radis noir? Radis rose. Voiture ou moto? Voiture. Casque ou écouteur? Casque. Snow ou ski? Non. Sucré ou salé? Tu tires ou tu pointes? Je pointe. Tu sors ou je te sors? Mais tu me sors. Bah c'est bon. On en a terminé pour cette petite interview. Je te remercie vraiment de m'accorder tout ce temps. C'est avec grand plaisir. Et merci puis je suis un de tes plus grands fans, ouais. Donc vraiment ça me fait du bien vraiment de t'avoir. Ça me touche franchement, merci pour ton soutien. Et puis, Je te souhaite du coup aussi de nous régaler encore une fois. Moi il y a des chances, ça va être. Oh mais ça c'est clair et net, j'en doute même. J'espère. Pas. J'espère. Ouais. Okay.